Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce magazine des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. 6e journée de compétition, des médailles en veux-tu en voilà, des records encore, de la joie ici et là. Et d'ailleurs, on va débuter avec le bonheur des handballeuses réunionnaises après leur écrasante victoire en finale face à Mayotte. 33-20, c'est le score de la rencontre. Un match que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Les coéquipières de Leïla Lejeune n'ont pas eu trop de mal à s'emparer de l'or, mais ce sera certainement plus compliqué pour leurs homologues masculins tout à l'heure. Et je vous propose tout de suite de prendre la direction du gymnase Daniel Narcisse à la Possession, où nous attend Johnny Lérivain. Johnny, vous avez suivi et commenté cette rencontre. On a le sentiment que cette finale a été une balade de santé pour les réunionnaises. Bonsoir Annabelle, bonsoir à tous. Non, il ne faut pas se fier aux résultats. Ce ne fut pas vraiment une balade de santé pour les réunionnaises. Mais bon, on va dire que la logique a été respectée. Et une médaille d'or déjà de prise pour le handball réunionnais. Avec moi, le président de la Ligue réunionnaise de handball, Yannick Moreau. Mais Yannick Moreau, on sait que l'objectif, c'est deux médailles d'or, de réaliser le grand chelem pour le handball réunionnais. L'objectif était de remporter les deux médailles. Pour le moment, on en a remporté une. Bravo quand même, les filles, en particulier en première mi-temps, ont rencontré une très bonne résistance de la part de l'équipe de Mayotte, qui a beaucoup, beaucoup progressé. Et donc, félicitations aux filles, et je suis très fier. Maintenant, on attend la confirmation de la deuxième médaille d'or. Alors, la deuxième médaille d'or, ce sera peut-être pour les garçons qui affrontera encore Mayotte. C'est une double confrontation, Réunion-Mayotte. Alors, que vous dire, ma chère Annabelle, nous sommes en pleine cérémonie protocolaire donc du tournoi de handball féminin. Et en direct pour vous, pour les téléspectateurs de Réunion Première, les grands vainqueurs arrivent et vont prendre place sur le podium. On vous laisse découvrir Leïla Lejeune et toute sa bande qui l'ont remporté, on le rappelle, 33 à 20 donc lors de cette finale. Voilà la capitaine de la sélection de la Réunion, Leïla Lejeune, suivie donc de l'ensemble de ses coéquipières. C'était, on rappelle, Annabelle, la première participation du handball féminin aux Jeux des îles. Et bien pour une première, ça a été une très très grande réussite. Johnny, leur médaille d'or sur la plus haute marche du podium. Et pendant qu'on découvre ces images des filles, Johnny, un mot rapidement sur la rencontre des garçons qui va débuter dans une petite demi-heure maintenant. Une finale qui s'annonce quand même plus électrique entre La Réunion et Mayotte chez les garçons, Johnny. Effectivement, on rappelle que la finale qui était annoncée par bon nombre d'observateurs, c'était Réunion-Madagascar. Dans les deux tableaux, eh bien les Mahoraises et les Mahorais ont été les grandes et bonnes surprises de ce tournoi. Et je peux vous dire que les Mahorais vont tout faire pour essayer de venger donc leurs homologues féminins, même s'il y a eu une petite incertitude. À un moment donné, les Mahorais ont menacé de ne pas jouer cette finale pour la simple et bonne raison qu'on ne laissait pas entrer suffisamment de leurs supporters. Malheureusement, eh bien, le gymnase Daniel Narcisse affiche complet. Mais bon, ils sont revenus à la raison. On la jouera cette finale, garçon. Réunion Mayotte, la deuxième affiche du tournoi de handball. Et regardez cette belle image des Réunionnaises sur la plus haute marche du podium pour la première médaille d'or du handball féminin aux Jeux des îles. Voilà, vous découvrez le podium féminin en handball. Les Réunionnaises ont battu Mayotte en finale. Voilà pour le handball. Merci Johnny Lérivain. En basket, cette fois, les équipes toujours en compétition se disputaient ce vendredi une place en finale pour savoir qui de Madagascar ou des Seychelles a décroché le précieux ticket. Voyez le reportage d'Hermina Lasson et de Fahar Ousseini. Madagascar en finale. Match accompli haut la main face aux Seychelles avec un score final de 106 à 32. Dès le premier quart-temps, les Malgaches donnent le ton avec 25 points d'avance. Tout va crescendo, les paniers s'enchaînent, la plupart signés Razana Nirina. Après tous les efforts qu'on a fait à Madagascar et tout pendant 3 mois, et puis il y a le premier regroupement, deuxième regroupement, je crois bien que c'est mérité pour les filles d'aller à la finale. Face aux expérimentés malgaches, les Seychelloises résistant bien que mal. Les Malgaches sont loin, très loin devant avec un score à la mi-temps de 68 à 14. Difficile de remonter.
par rapport à des équipes comme Madagascar ou La Réunion, on est vraiment limité, que ce soit au niveau technique, tactique ou même physique. Donc faut pas être déçu, il faut voir la marge qu'il y a avec ces équipes-là pour justement travailler et espérer un jour atteindre le niveau de ces équipes-là. Score final 106-32, Madagascar affrontera La Réunion en finale. Un duel très attendu. Et on a déjà l'habitude de jouer contre La Réunion, c'est la première fois. En plus, c'est moi, à chaque fois que je joue contre La Réunion, je gagne toujours, mais je ne sais pas demain si je gagne ou pas, mais on essaye d'aller jusqu'au bout. On est à La Réunion ? Hein ? On est à La Réunion, mais on n'a pas peur de La Réunion, même si on est à La Réunion. Pas peur de La Réunion, les Malgaches vont devoir le démontrer demain à 16h30 au gymnase Couture du Port. Et puis en basket dames toujours, Madagascar qui verra dresser devant elle les basketteuses réunionnaises. La Réunion qui a battu Mayotte dans l'autre demi-finale à 68-29. Chez les hommes, quelle affiche pour la finale? On le saura d'ici une petite demi-heure après la rencontre qui se déroule en ce moment même entre La Réunion et les Seychelles. Un remake de la demi-finale qui d'il y a 4 ans. Une certitude, l'une de ces deux équipe affrontera ou la sélection malgache ou la sélection mauricienne pour une médaille d'or. Et on ouvre à présent une page football comme au handball. La finale du tournoi masculin sera 100% tricolore. Mayotte-Réunion, match programmé demain soir au Stade de l'Est. Mais cela n'a pas été simple pour les joueurs de Jean-Pierre Bade face à une solide et talentueuse formation malgache. Malmenée jusque dans les prolongations, La Réunion finit par être délivrée à la 117e minute grâce à Laurie Cour. On refait le match avec Jean-Claude Toyer et Rodolphe Ozanne. Les footballeurs réunionnais peuvent manifester leur joie dans les vestiaires car ils ont eu très très chaud. Dès le début de la rencontre, la sélection malgache démarre pied au plancher et s'offre une occasion dès la première minute de jeu. La défense des Bleus est assiégée. En quelques minutes, les Malgaches portés par leur public vont à 4 reprises porter le danger dans le camp réunionnais qui doit son salut à un excellent gardien, Mathieu Pelops. L'entraîneur Jean-Pierre Bade est au bord de la crise de nerfs. Des Réunionnais complètement dominés par des joueurs malgaches vifs et percutants, mais qui résistent et s'offrent quelques occasions, comme ici. À la mi-temps, le score est vierge 0-0 et Jean-Pierre Bade va frapper du poing sur la table. Voici ce qu'il dit à ses joueurs. Aujourd'hui, les gars, si on veut se qualifier, mais il faut en avoir dans le ventre. Il faut avoir les tripes. C'est ce qu'ils ont fait. Et effectivement, à la reprise, les Réunionnais ont l'air de moins subir la domination malgache, même si les Blancs continuent d'être dangereux. À l'issue du temps réglementaire, aucun but ne sera marqué. L'heure est aux prolongations. Mais les hommes sont fatigués, le match baisse d'intensité. Alors qu'on se dirige droit vers les tirs au but, 3 minutes avant la fin des prolongations et contre toute attente, Alexandre Loricourt profite d'une balle en profondeur, efface le gardien malgache et marque. La Réunion est sauvée. C'est vraiment un truc extraordinaire. Ça, on ne peut pas faire ça tous les jours, donc vraiment, c'est vraiment extraordinaire pour La Réunion et pour nous en fait. Notre force a été notre mental. Je veux dire, on n'a pas lâché. Et tout le temps, on y a cru. Et grosse déception pour les Malgaches qui sont passés à côté de la qualification. Nous avons imposé notre jeu dès le début, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de ratages, il y a beaucoup de précipitations, surtout devant le but. Les Réunionnais affronteront les Maoris en finale, une rencontre qui s'annonce explosive. Effectivement, car dans l'autre demi-finale du tournoi masculin, Mayotte n'a pas laissé le soin à Maurice de prendre les commandes. Avec 2-1, les Maorés parviennent à franchir l'obstacle mauricien. Retour sur le match avec Toufali Andjilani et Fahar Ousseini. La victoire est belle parce qu'elle a été acquise dans la douleur. Dans la douleur au propre comme au figuré. Un match très engagé, une bataille physique qui met KO le milieu maoré Adfan. Il a été remplacé par Kawir Chan. Les deux équipes s'observent toute la mi-temps. La seconde période est beaucoup plus animée. Et ce sont les Mauriciens qui s'illustrent en premier. Sur un corner, la défense maoraise est prise de vitesse. Maurice ouvre le score à la 54e minute.
Deux au mur, poussé par ses supporters, Mayotte égalise 7 minutes plus tard. Un centre de Ben Djadid, afghan dans l'axe, l'ancien joueur de Barakani crucifie le gardien mauricien. Une équipe peut douter après avoir été menée, mais on s'est encouragé. Donc, je perds mes mots. Donc, le capitaine nous a dit que ce n'est pas fini. Donc, on s'est donné à fond et voilà. Maintenant, c'est que de la joie. Mayotte prend l'ascendant dans cette rencontre et c'est tout logiquement que les Mahorais prennent l'avantage. Ben Djadid trompe la vigilance du gardien mauricien à la 67e minute. Mayotte avait l'occasion d'aggraver le score. La frappe de Chamsoudine heurte le poteau. 2-1, ça sera le score final. Une fois qu'il est arrivé là, il faut viser l'or. Hein. Donc je pense qu'on a la possibilité. On l'a fait. Quand les joueurs... Les jeux vont bien récupérer, donc je pense que c'est jouable. Après avoir échoué en demi-finale il y a 4 ans aux Seychelles, la ruée vers l'or continue pour les Mahorais. Et dans le tournoi féminin, les scores ont été nettement plus sévères. Madagascar a même laminé les Seychelles, 8-2, grâce notamment à 3 réalisations de sa capitaine Sophie. Après avoir terminé en tête du groupe B devant la Réunion, les Malgaches sont plus que jamais les favorites du tournoi féminin. Image signée de nos confrères de la SBC. Et puis dans l'autre rencontre, la Réunion plus rigoureuse techniquement se qualifie en battant Mayotte 3-1. On se dirige donc vers une finale entre Madagascar et la Réunion. À l'arrivée, la Réunion justement et Madagascar ont rendez-vous pour une finale qui s'annonce palpitante et à quelques heures du choc annoncé, l'une de nos équipes est allée prendre la température dans les deux formations et l'heure était à la détente. Reportage Christelle Floricourt, Rodolfo Ozan. À peine entrée dans la salle de réunion d'un hôtel dionysien, transformée en pièce à vivre le temps d'une matinée, l'odeur des huiles de massage viennent nous chatouiller les narines. À la veille de la finale contre Madagascar, les footballeuses réunionnaises se détendent. Ça fait du bien, c'est très réconfortant, c'est agréable. Ouais. C'est super, je pense que ça donne envie de vraiment aller la chercher cet or-là, cette médaille. Quoi. Autour des tables de massage, les parties de cartes et autres jeux de société s'organisent. Et en bonne fan de foot qui se respecte, Mélissa a ramené ses cartes aux couleurs de l'OM. C'est une Parisienne, hein, elle joue avec les cartes. C'est pas grave. Hein. C'est une Parisienne qui joue avec les cartes de Marseille. C'est oui, mais la Marseillaise, elle m'a offert un t-shirt de Paris pour mon anniversaire, donc... C'est bon, je l'ai dit à la télé. Hein. Un petit moment de détente, ça permet de déstresser pour celles qui sont stressées et puis d'être entre nous, on s'amuse, quoi. C'est bien. Ouais. Ça change la compétition, donc là on oublie un petit peu et puis on pense à autre chose. Dans son petit coin, plutôt discrète, il y en a une qui noircit des pages. Mais là encore, rien à voir avec le match. C'est une surprise pour le groupe, je ne peux pas le dire. Je suis de la métropole, donc c'est un petit mot que je laisse à mes coéquipières avant de retourner en métropole. C'est leur moment à elles, où elles peuvent s'exprimer, jouer ensemble. Et c'est important pour qu'on puisse, comme le soulignait Marie, ne pas penser à la finale. On aura largement le temps d'y penser demain. Côté malgache, c'est un peu le même esprit. On est loin, très loin de penser à demain. Les filles s'amusent même à jouer les journalistes. Aujourd'hui, c'est tout à fait relax, repos, tout ça, pour concentrer comment nous allons faire pour préparer bien la technique de jeu à demain. Mais après un petit exercice de jonglage, la médaille d'or leur revient à l'esprit. Vous allez gagner ? Yeah. Oui. C'est sûr, ça ? Ah, sans Cécile. Oui. Combien alors ? Ah, 2-0. Les paris sont lancés et pour venir encourager et supporter les footballeuses, ça se passe demain à 16h30 au Stade de l'Est. Au volleyball, dans la seule demi-finale féminine après l'exclusion de la Réunion, victoire des volleyeuses malgaches sur leurs homologues mauriciennes, 3-7-0. Madagascar rencontrera donc les Seychelles en finale demain soir. Une finale que vous pourrez voir sur Réunion Première. Et puis, dans la finale de volleyball masculin, la finale justement débutera à 20h. Un match que vous pourrez revoir en différé à 23h30.
Voilà pour les sports collectifs sur le stade olympique de Saint-Paul. Dernière journée d'athlétisme hier et elle a été fructueuse pour les athlètes mahorais. Une médaille d'argent pour Daouda Amboudi à la hauteur et puis surtout de l'or pour Jassim Ahamada au saut en longueur avec un bond à 7,61 m qui constitue d'ailleurs son record personnel. Jusqu'ici, il en était resté à 7,37 m. Je vous propose de l'écouter. Là, je viens de remplir l'objectif de la saison, donc, qui était d'aller à plus de 7,60 m. Ça, c'est fait. Donc, pour moi, la saison est réussie. Et pour plus tard, faire les grands championnats et pourquoi pas rêver des JO plus tard. 5 jours d'athlétisme qui se sont achevés d'une bien jolie manière. Fini la concurrence entre les sportifs. Place à l'ambiance musicale et déhanchés endiablés. Après l'effort, les athlètes ont montré qu'ils avaient d'autres talents. De belles images de fraternité, bien loin des polémiques. Je vous laisse les apprécier. Elles sont signées Alix Catherine. Et dans les bassins, les nageurs réunionnais ont une nouvelle fois éclaboussé la piscine du Chaudron de tout leur talent. Sur les 10 médailles d'or à conquérir aujourd'hui, 7 sont tombées dans l'escarcelle du Club R, grâce notamment au relais 4 x 200 mètres masculin et féminin. Les filles ont largement contribué à cette belle moisson. 2 médailles gagnées sans difficulté par Alizé Morel. Elle est d'ailleurs en direct avec nous. Alizé, bonsoir. Bonsoir. Alors Alizé, votre papa a déjà remporté 5 médailles d'or lors des précédents Jeux. Vous avez pris avec lui le pari d'en décrocher 8, dont 5 en individuel. On peut dire que c'est presque fait. C'est presque fait, oui. Pour l'instant, j'en suis à 5. Il m'en reste 3 demain en espérant les avoir en or. En or, il n'y a que cette couleur qui vous va autant, très certainement. Alors, est-ce que se fixer un tel challenge, c'est pour se booster ou bien c'est tout juste pour le fun ? Bah écoutez, c'est surtout pour le fun, voilà. Comme j'ai toujours dit, personnellement, j'ai d'autres ambitions, mais voilà, là, mon but, c'est de rendre fière la Réunionnais. Je le fais surtout pour la Réunion. Alizé, vous avez fait un autre pari, c'est celui de quitter la Réunion pour aller vous entraîner en métropole, à Nice précisément. Est-ce que c'est ce départ qui vous a permis d'élever votre niveau de performance ? Effectivement, ça fait 3 ans maintenant que je suis en métropole, donc je suis créopolitaine maintenant. Donc oui, sans aucun doute, la réponse est oui, parce que effectivement, je suis maintenant en Pôle France, donc ça veut dire que je suis en sport-études. Je m'entraîne 2 fois par jour, 5 heures par jour, 32 heures hebdomadaires, donc c'est vrai que ça m'a permis de bien progresser ces 3 dernières années. Demain, j'imagine que pour les finales qu'il vous reste, en tout cas les séries et ensuite les finales, la confiance est au rendez-vous ? Bah écoutez, pour l'instant plus ou moins, oui. Après, j'ai une petite peur quand même, une petite crainte sur le 50 nage libre, puisque on a quand même de très fortes sprinteuses seychelloises et mauriciennes. Donc ça va être assez tendu, mais bon, je reste quand même en confiance. Eh ben, on vous souhaite de réussir. En tout cas, merci Alizé Morel d'avoir été en direct avec merci nous ce soir. Et puis toujours en natation, c'est une première dans l'histoire des Jeux. Un nageur malgache, Anthony Ralefi, s'est emparé de l'or sur le 50 mètres papillon cet après-midi. Un titre glané au nez et à la barbe de ses poursuivants mauriciens et réunionnais. Bravo à lui. Et on reste dans l'eau, mais je vous emmène cette fois en bord de mer pour faire le point sur la compétition de voile. La Réunion est en passe de réaliser un doublé en radial et en laser, suivi de très près par Seychelles. Les finales se disputeront demain, mais ce vendredi, les manches du jour ont pris beaucoup de retard à cause de réclamations en série concernant le matériel. Hakim Ali Saïd, Francis Bourgois. Au 4e jour des compétitions de voile, alors que les athlètes réunionnais prennent le large au niveau des points vis-à-vis de leurs homologues de la région, la matinée d'aujourd'hui a été celle des réclamations sur le matériel.
Avec des mots à peine couverts, Mauriciens et Seychellois accusent les Réunionnais de s'être attribués les bateaux en parfait état alors que les leurs prennent régulièrement l'eau. Dans une mer où la baignade est interdite à cause du risque requin, un bateau qui prend l'eau inquiète son commandant et le stress peut altérer les performances sportives. Ce ne sont pas les meilleurs bateaux pour moi. Chez nous, aux Seychelles, les planches sont plus performantes. Ici, ils nous ont donné des bateaux qu'on doit réparer, des bateaux qui prennent l'eau et du coup qui ne vont pas très vite. C'est très difficile. Après de longues heures de palabres, la compétition par équipe a pu se dérouler. Comme on s'y attendait, la Réunion a dominé les épreuves de poule par équipe. Elle arrive en tête devant les Seychelles. Les organisateurs ont dû faire preuve de patience et de diplomatie pour mettre tous les compétiteurs d'accord sur le matériel à utiliser. Les lasers, il y a un seul fabricant. Donc la coque, on est sûr que c'est la même partout. Au défaut de fabrication près, quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment des bateaux monotypes. Bon, les voiles ensuite, ils ont fourni des voiles à peu près de même qualité. D'accord, il n'y a pas spécialement de voiles neuves, etc. Ils ont choisi du bon matériel pour faire des choses équivalentes. Et ça a été admis par tout le monde puisqu'on n'a pas demandé aux équipes d'amener leurs bateaux. On leur fournit ici. Donc il y a maintenant le dire, là, après 4 jours de régate, ça me gêne un peu. La musique avec le discours universel de Bob Marley a finalement eu raison de la tension sur le matériel de voile. Mauriciens, malgaches, français, maldiviens et seychellois se sont retrouvés autour du reggae sur le beau chemin de la fraternité. Et comme tous les soirs, j'accueille avec plaisir l'un de mes confrères de la région ce soir, Rajiv Gunpat de la MBC est avec nous. Bonsoir Rajiv. Bonsoir Annabelle, bonsoir à tous. Alors ces jeux sont presque finis et il n'y a plus de Mauriciens dans les sports collectifs, mais le club M a déjà fait mieux qu'il y a 4 ans aux Seychelles. Effectivement, mieux qu'aux Seychelles en 2011, Annabelle, la performance mauricienne aux Seychelles, c'était 38 médailles d'or. Eh bien là, hier soir, c'était plus de 40 déjà pour le Club M. Et encore des médailles d'or aujourd'hui, notamment Bradley Vincent en natation, belle performance. Et Chalini Valaidon, c'était attendu, Chalini Valaidon en haltérophilie. À savoir que la meilleure performance mauricienne dans l'histoire des Jeux des îles, c'était déjà en 2003, avec 56 médailles d'or. On n'est pas loin de ce score, une cinquantaine jusqu'ici pour Maurice. Mais la compétition n'est pas finie. Meilleure performance aussi pour les athlètes mauriciens en athlétisme pour cette 9e édition. Oui, en athlétisme également, Maurice qui fait mieux qu'aux Seychelles en 2011. La dernière journée hier, 4 médailles d'or encore pour Maurice. Bilan 11 aux Seychelles, 19 cette fois-ci à l'île de la Réunion. Nos handis sportifs qui ont rapporté 10 médailles d'or. Donc bravo, une très belle performance de la part des Mauriciens. Et d'ailleurs, il y a un premier bilan qui se fait concernant l'athlétisme, signé Jesse Ougara. Ce sont les relais 4 x 400 mètres qui ont clôturé cette quatrième et dernière journée d'athlétisme des 9e Jeux des îles de l'océan Indien. Juste avant le départ de la course féminine, l'équipe réunionnaise s'est vue disqualifiée pour un faux départ. Du coup, il ne restait que Maurice et Madagascar pour cette finale. Et le quatuor mauricien a pris la 2e place. Dans le relais 4 x 400 mètres masculin, ce sont les Malgaches qui se sont imposés devant les Seychelles. Maurice termine 3e. Beaucoup plus de satisfaction que de déception. Ben voilà, on a une équipe bien jeune, pas trop expérimentée, mais nous donnons le mieux. Et nous demandons la version 4 pour les autres en bonne condition parce qu'il est plus là, beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. C'est la première course qu'il nous fait, nous 4 ensemble, c'est la première course. Donc voilà, moi satisfait. Cette dernière journée en athlétisme a souri aux handisportifs. Engagés dans 4 finales, ils ont tous eu la joie d'ajouter une médaille d'or à leur palmarès. Ce fut d'abord au tour d'Ashley Telvav de ravir l'assistance grâce à sa première place aux 800 mètres sport adapté. Content, très content.
préparation, Dieu, tous les jours, entraînement, matin, l'après-midi. Puis, Donovan Rabai a emboîté le pas. Rabai, 15 ans seulement, en est à sa première participation et deux jours plus tôt, il avait décroché l'argent en longueur. C'est aller comme ça, très 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 difficile pour moi. C'est une réussite à arriver loin. C'est la première fois. Cédric Ravet a été tout simplement époustouflant aux 1500 mètres fauteuil. Il s'est même permis d'améliorer le record des Jeux. Pour moi, c'est vraiment un gros travail qui débutait depuis 2014 en Écosse, Glasgow. Donc c'était vraiment un gros travail qui réalisé par mon coach personnel, Jean-Marie Bergerati. Et c'est mon cas et les autres, c'est qu'on a une belle victoire en cours à venir. Quant à Brandy Perrine, elle également n'a pas fait de cadeau à ses adversaires en enlevant de brillante manière le 1500 mètres fauteuil. Je suis très content qu'ils m'ont gagné pour ça parce que ça fait un an qu'ils me font athlétisme. Et voilà. Parce que c'était vraiment un peu dur, mais sinon ça se passait bien. Je suis au collège de Saint-Ambrose et ça se passe bien. Et sinon, continuellement, bien qu'on me fait ça expo. Jean-Marie Bergerati est un homme comblé. Son travail comme encadreur de nos handisportifs a porté ses fruits. 10 médailles d'or ont été récoltées dans cette discipline. Personnellement, moi j'ai récolté 6 médailles d'or en tant qu'entraîneur personnel de ces athlètes-là. Je suis à 10. Et bon, je suis très fier d'eux. Et moi, j'adore travailler avec eux. Sans mélanger les jardins nationaux mauriciens derrière tout le monde et tout ce qu'il y a, la famille et tout. En 2011, la sélection mauricienne en athlétisme avait ramené des Seychelles 11 médailles d'or. Cette fois, à La Réunion, le bilan est plus positif avec 19 or. Et Rajiv, le compteur de médailles a continué à grimper cet après-midi pour Maurice, notamment avec le badminton. La grande satisfaction côté mauricien lors de ces Jeux des îles reste le badminton. 5 finales au programme aujourd'hui à Saint-André. Et Maurice qui remporte 5 médailles d'or lors de cette dernière journée. Victoire en double mixte, en simple homme grâce à Julien Paul. Et Kate Fukuyun qui s'est illustrée en simple dame. 7 médailles d'or en jeu lors de ces Jeux des îles et 7 médailles d'or pour Maurice. Voilà ce qu'on peut dire concernant le badminton mauricien ce soir. Médaille d'or aussi en haltérophilie pour Maurice. En haltérophilie, je vous le disais un peu plus tôt, notamment la performance de Shalini Valaïdon. Shalini Valaïdon, c'était attendu, elle a déjà brillé sur le plan africain également. Shalini Valaïdon, 3 médailles d'or pour elle. Et puis, il y a eu les frères Fourette également qui se sont illustrés. C'était hier. Oui, la Mauricienne qui a soulevé cet après-midi 91 kilos à l'arraché. Elle monte donc sur la première marche du podium, on l'a dit. Rajiv, est-ce qu'on peut dire que le COP Maurice, qui s'est déplacé visiblement en nombre jusqu'à La Réunion et qui a donné de la voix dans les différents lieux de compétition, a contribué justement à toutes ces performances mauriciennes ? Sur les différents sites de compétition, Annabelle, effectivement, je rencontre les supporters mauriciens, ils sont en grand nombre ici à l'île de La Réunion. Ils ont fait le déplacement pour encourager les athlètes mauriciens, et bien emmenés notamment par Benoît Souchon, les mauriciens qui ont même un bus à leur disposition. C'est bien les gars, on ne lâche rien, allez. Donc Benoît Souchon, raconte-nous un peu comment est-ce que ça s'organise ici à l'île de La Réunion côté mauricien pour aller vraiment soutenir nos athlètes. Alors ça se passe très bien, il n'y a pas la grosse foule mais il y a la qualité. Donc nous avons un gros bus ainsi qu'une voiture. Et tous les matins on se rencontre au barrageois. À partir de là, surtout en ce moment où les quarts de finale commencent et où on apprend un petit peu au jour le jour comment les choses se goupillent. Donc tous les matins, on se rencontre au barrageois et on transporte des gens sur les différents sites de compétition, là où Maurice a le plus de chances de médailles. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ne viennent pas au barrageois parce qu'ils sont loin et ils nous appellent et on fait le bus circuler d'est en ouest et de nord en sud pour justement récupérer tout le monde, les déposer aux différents centres de compétition. Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Des fois, bon, comme aujourd'hui, il n'y a pas de médaille à la clé, mais là, je m'en vais pour Saint-André au badminton. Je peux vous dire que là-bas, on a de grosses sortes de médailles et l'ambiance sera de folie.
Voilà, merci Rajiv d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous donner toutes ces informations sur la sélection mauricienne. Et je vous laisse pour retrouver votre confrère Robert Deschambault qui est en direct depuis Saint-Pierre où se disputent ce soir les finales de boxe. Robert, vous êtes sur place pour suivre ces rencontres. Allez, c'est à vous, Robert. Là, ça va mieux. Là, c'est super. On va se lâcher pour la suite. Il y a 8 combats qui vont suivre ce soir. Non, on va s'éclater. Exactement. Avec Jordi, Jean-Jordi Vadamoutou, qu'on va voir dans quelques instants, le représentant de Maurice, dans le coin rouge, face au malgache Eritov Rakotomang, au coin bleu. On rappelle à ceux qui prennent tout juste l'antenne qu'il y a eu 2 autres finales qui se sont disputées dans cette grande soirée de boxe ici au gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre, avec déjà 2 victoires réunionnaises, 2 médailles d'or, comme c'était le cas en 2011 aux Seychelles. Il y a 7 représentants de l'île de la Réunion dans cette grande soirée de boxe et ils espèrent, comme les autres délégations, améliorer la marque d'il y a 4 ans. Donc la Réunion avec Kevin Sanginlam dans la catégorie des 49 kilos et Marcus Gevia qui a battu le Mauricien Ludovic Baktora dans la catégorie des 52 kilos. Voilà qui est fait. Objectif pratiquement atteint pour les Réunionnais. Les autres délégations ont encore les autres finales pour se prouver, pour essayer justement d'être de la fête avec le podium qu'on a vu il y a quelques instants, une médaille d'or qui a été attribuée à Kevin Sanginlam. Sur le ring, la montée de Eritov Rakotomang, le malgache, son compatriote Lalain Rabenarai, lui avait été battu par Kevin Sanginlam dans la catégorie des 49 kilos. Les consignes de Judex Basil et du DTN Roberto Chavez Ibanez pour Jean-Jordi Vadamoutou. Une rencontre arbitrée par le Seychellois, monsieur Brian. Ce soir, nous reviendrons bien sûr sur ces combats dans notre magazine de demain. Focus à présent sur un petit pays de 298 km² et qui s'est déplacé avec une grosse délégation. Les Maldives sont présentes dans les Jeux depuis leur création en 1979. Ces disciplines de prédilection, les sports de raquettes et la voile. Mais lors de cette 9e édition, grosse surprise, le porte-drapeau de la sélection s'offre l'épreuve reine du 100 mètres en athlétisme. La première médaille d'or des Maldives de toute l'histoire des Jeux. Francis Bourgoin. 145 athlètes, une délégation de 271 membres, les Maldives tenaient à porter au plus haut les couleurs d'un pays qui fête le 50e anniversaire de son indépendance. Premier jour d'athlétisme, premier exploit, Hassan Saïd remporte la première médaille d'or de l'histoire des Jeux pour les Maldives. Je suis très fier de cette première médaille d'or. Je suis venu pour et je l'ai eue. La prochaine étape pour moi, c'est le 200 mètres. Je ferai de mon mieux. Autre chance de médaille, tennis de table et tennis où 6 représentants sont engagés et pourraient bien accéder à la 3e place du podium. Aux Maldives, nous avons seulement 3 courts. C'est un très petit pays et nous avons des problèmes de terrain. Pas assez de place pour construire d'autres courts. Peu de gens jouent au tennis chez nous. Mais à force de regarder le tennis à la télévision, nous espérons attirer plus de joueurs et produire des champions. Autre discipline à l'honneur, le badminton, avec 11 athlètes engagés. Pas facile pourtant de faire venir une aussi importante délégation. Ce n'est pas facile parce que nous avons peu de compétitions et peu de compétiteurs dans notre tout petit pays. Mais avec l'aide de nombreux sponsors et du gouvernement, nous pouvons venir à chaque fois aux Jeux des îles et participer aux compétitions. Et avant de nous quitter, un coup d'œil rapide au tableau des médailles. Le podium n'a pas changé. La Réunion est toujours en tête avec 57 médailles d'or, suivie de Maurice avec 42 médailles d'or. Madagascar est troisième avec 32 médailles d'or, 19 pour les Seychelles, 19 médailles d'or. Et puis Mayotte est toujours avant-dernière avec ses 2 médailles d'or, 1 pour les Maldives. C'est la fin de ce magazine des Jeux des îles. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à
la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.